Les potes, bonjour, bienvenue dans cette vidéo tournage de chantier. On va faire un petit tour, on est vendredi après-midi, les artisans sont normalement en week-end, nous très bientôt. Donc c'est pour ça, on va aller visiter 2-3 chantiers, voir où ça en est, etc. D'habitude je suis censé faire ça avec quelqu'un de la conception, mais on est mi-août et tout le monde n'est pas là, enfin, tout le monde est en vacances, donc on va y aller tout seul si ça vous va. Hein? Allez, let's go. J'ai une nouvelle voiture aussi, toujours prêtée par Yulise, je vous la présente pendant cette petite vidéo, ça va être incroyable. Allez, c'est parti. L'air un peu là. Eh, mais c'est Victor. Victor, salut. Non mais hasard de dingue, dingue. Qu'est-ce que tu fais là? Bah et toi? Bah j'attends le bus là, je vais rentrer au bureau. Et tu fais quoi cet après-midi? Je vais faire un petit peu de pro tranquille. Et puis, tu veux pas venir visiter des chantiers avec moi? Là ouais, on en fait trois. Allez viens. C'est hasard de dingue. Nous y voilà. Non, mais on savait que c'était là, juste qu'on... J'aime beaucoup le portail. C'est avec l'orientation du soleil, ça... Bien arrivé du coup sur le premier chantier, on est du côté de Malintra sur cette maison. On va vous mettre des plans 3D de la maison terminée, mais là aujourd'hui on en est à la phase du premier niveau qui correspond en fait au sous-sol. Si tu regardes juste derrière moi, tu avais le niveau initial finalement de terre, donc ça a été creusé pour pouvoir implanter la maison. Le sous-sol est mis au niveau de la maçonnerie et on va passer maintenant aux pièces de vie. Ce sera, je pense, septembre-octobre. On vous laisse avec quelques plans de Quentin de la maison et on se retrouve juste derrière. Le permis de construire et les plans 3D de conception, et là la maison elle commence à sortir de terre, ça commence à ressembler à quelque chose, je vous montre ça. En plus j'ai les clés, let's go. Là c'est la pièce de vie, du coup grande pièce de vie, je crois qu'elle fait 60 mètres carrés, un truc comme ça, et en fait ça a été pensé pour être ouvert sur tout l'extérieur. Ici le côté chambre, je crois. C'est ça, ici c'est la suite parentale avec une salle d'eau, il y a un espace dressing qui est là je crois. Et on va avoir un étage avec les chambres des enfants. Incroyable. On l'a fait, il n'y avait rien. Tu te rappelles? Oui, il y avait un tas de sable. On est du coup du côté de Jussa pour le dernier projet de cette vidéo. Et il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jussa, c'était juste du sable. C'était un tas de sable. Et là, aujourd'hui, en quelques mois, ça a bien poussé. Ça commence à sortir de terre, quoi. C'est stylé. D'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez en voir davantage, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour voir l'évolution des autres chantiers et également des autres biens à la vente qu'il y a dans d'autres vidéos. Nous on vous laisse ici et on se revoit très bientôt pour un nouveau suivi de chantier. À bientôt, ciao.